Aujourd'hui, j'ai un rendez-vous à 10 h. Là, il est 9 h 33. J'ai un rendez-vous à 10 h pour ma vision. Ma vision a baissé. J'imagine que c'est à cause d'être à l'ordinateur tout le temps, de toujours faire le focus à la même distance. Mes yeux se sont comme habitués. J'ai de la misère à voir de loin de plus en plus. Je suis censée peut-être voir ma mère. On va peut-être aller au HomeSense encore. Là, si mes cheveux sont blancs, c'est parce que j'ai mis du shampoing sec. Ne vous inquiétez pas. Peut-être aller au HomeSense, puis la dernière fois j'avais vu des petits journaux trop cute avec des belles citations dessus. Puis je vais peut-être en acheter un parce que moi j'adore ça, écrire dans des journaux. Journaux? Dans des journaux. J'en tiens un en ce moment aussi, un petit journal intime. Donc, puis il me reste plus beaucoup de pages. Fait que je me dis, ah, je vais m'en trouver un nouveau. Fait que ça va être ça. Gros pété pouf! Oh, gros patapouf d'amour, tu te sens observé. Petite Billy d'amour. T'es vraiment belle, mon bébé. T'es vraiment belle. Ah oui, t'es belle. Petite bébé d'amour, elle veut boire de l'eau là-dedans. Tiens. Oh, cutie. Bon, faut que je venisse de me préparer. Au revoir. Je voulais vous dire, je m'attache toujours en voiture. C'est juste que vous voyez pas la ceinture. Parce que j'haïs ça, mettre ça comme ça. Je sens que genre ça m'étrangle. J'aime pas ça. Fait que je la mets tout le temps comme ça. Je sais que c'est peut-être pas idéal. Mais je suis attachée au moins, je me dis. Mais je vais essayer de faire attention à ça. Mais ça m'énerve tellement là, fait que je la mets comme ça. C'est le retour chez moi! Ça a bien été, sauf que je suis mis up! ils m'ont dit que ça faisait 10 ans que j'avais pas été faire un examen de la vue. ça m'a coûté 65$ pour me faire dire que je vois rien. Fait que c'est super le fun. Mais en fait, c'est pas une grosse myopie. De cet œil-là, je crois que je suis 0,50. Puis celui-là, 0,75. Fait que c'est pas vraiment une grosse, grosse myopie. Tu sais, je vois. C'est juste vraiment pour conduire le soir, surtout que. Est-ce que c'est un stop? Est-ce que c'est une personne? Je le sais pas, tu sais. Je vais avoir besoin de lunettes. Puis elle m'a conseillé aussi de prendre des verres blue. Je me souviens pas, mais c'est pour bloquer les lumières bleues des écrans. Donc ça va me prendre ça. Je sais que Cynthia Dulude en avait parlé une fois. Je vais essayer de retrouver ça puis essayer de voir combien que ça coûte. Et sinon, ben j'ai pas fait faire de lunettes tout de suite parce que je m'en vais à Paris. Puis il y a une lunetterie. Qui s'appelle Lunettes pour tous, qui fait des lunettes genre à 10 euros. Ça coûte genre 2,50 le verre, là. Puis genre 6,50 la monture, là. C'est n'importe quoi. Fait que je vais aller me faire faire mes lunettes là. Puis même si ça me coûte juste genre 12 euros, gros max, ben au moins j'aurai des lunettes adaptées à ma vue. Puis j'ai lu des bonnes critiques là-dessus, c'est une amie qui m'a conseillé ça. Puis au pire, tu sais, ben j'aurais gaspillé 12 euros si c'est pas bon. Mais les critiques disent que c'est super bon, puis ça pogne en masse. Fait que si vous connaissez ça, les gens qui habitent à Paris, écrivez-le moi dans les commentaires si vous avez déjà fait affaire avec eux, ou si vous en avez entendu parler, si c'est bon, si c'est à chier. Mais même si vous me dites que c'est à chier, je vais y aller pareil, parce que entre payer 12 euros et 350 $, j'aime mieux payer 12 euros, ok? J'ai besoin de lunettes. J'aime pas m'avouer ça. On dirait que ça me fait mal. Parce que j'avais une vue tellement parfaite avant. J'étais comme réputée là, pour avoir des yeux de lynx. Là. À chaque fois que quelqu'un voyait pas quelque chose au tableau à l'école ou genre Audrey quand on se promenait à Montréal ou peu importe, elle était comme c'est quoi ça là-bas? Puis je disais genre ah, ça c'est la rue, nanana. Puis elle était comme voir que tu vois aussi loin que ça. Puis à cette heure, j'étais comme Audrey, c'est quoi qu'il y a là-bas? Parce qu'Audrey elle a des lunettes et moi je vois rien. Les rôles se sont inversés. Fait que ça me fait un peu de peine de plus rien voir puis d'avoir perdu ce pouvoir que j'avais. C'est pas grave, je vais m'en remettre là. Mais ça me rend quand même triste. Parce que on s'en va pas en s'améliorant, hein, qu'ils disent. Bref.
Mon ordi est encore buggé. Faut que j'aille faire mon montage. J'ai deux vidéos à faire, puis je vois ma mère tantôt. Je sais pas comment je vais faire. Mon écran est sale, mais j'avais comme oublié que j'avais mis ça comme écran de veille. Je suis fine, je suis gentille. Les ingrédients que vous avez besoin pour faire l'eau super rafraîchissante que je vous suggère souvent dans mes vidéos. Donc, il vous faut des concombres, un citron, quelques petits cubes de gingembre. Il vous faut de la menthe aussi. Et vous prenez tout ça et vous mettez ça dans un pichet comme ceci. C'est comme ça qu'on fait. Super facile, c'est super rafraîchissant. Vous laissez ça infuser pendant à peu près 5 heures. Moi, je le laisse souvent toute la nuit. Donc, essayez ça pour l'été, là. C'est vraiment rafraîchissant. J'ai été au village des valeurs tantôt. J'ai trouvé plein de choses. Puis j'aime ça aller là. Mais en même temps, j'aime pas ça parce que le bruit des cintres fait genre un bruit super aigu. Puis ça me vient tellement que ça m'agresse. Je peux pas rester là super longtemps, mais j'ai trouvé plein de belles affaires là, que je vous ai montrées pendant que je les ai essayées. Donc, il n'y a rien qui m'a coûté plus que 6$. Puis à la fin, j'ai rajouté un truc. J'ai rajouté un truc comme ça. Attendez, je vais vous montrer. Donc, je me suis dit qu'avec des shorts, puis une camisole, ou tu sais, juste un t-shirt, ça allait faire super mignon. Je trouvais que ça faisait tout délicat. Donc, voilà! Je viens de finir de parler avec Cyril. Je l'ai laissé parce que il était super fatigué, puis moi, je voulais aller prendre un bain. Mais là, ma voisine d'à côté est en train de se faire couler un bain. Puis comme de la façon que c'est fait, son bain est contre mon bain. Genre, il y a juste un mur qui nous sépare. Puis je suis pas tant à l'aise d'être tout nue à côté d'elle. Genre, même si je sais qu'on n'est pas à côté, ça me met juste vraiment mal à l'aise. Tu sais, d'entendre genre ses fesses dans le fond du bain, genre, qui glissent. Ça me tente pas. On dirait que ça m'écoeure, genre, d'être à côté puis de prendre mon bain à côté d'elle. Ça m'écoeure, je peux pas, je vais attendre. Ça gâcherait tout mon plaisir, genre, puis je serais pas capable de relaxer. Fait que je pense que je vais commencer le montage de ce vlog-ci. Hey, c'est une bonne idée, ça. Demain, je vais peut-être essayer d'aller à Montréal, parce que je veux faire des bombes de bain, ok? Parce que j'aime bien les loches, là, mais je suis comme accro aux bombes de bain. Puis 10$ la bombe de bain, là... Ça me tente pas trop de payer ça. Fait que j'ai découvert le site Coop Coco. C'est à Montréal. Puis ils vendent tout ce qu'il faut pour faire des bombes de bain. Fait que j'aimerais ça peut-être aller là demain. Ça me ferait une petite sortie. Puis ça vous ferait voir ce que c'est Montréal pour ceux qui viennent pas d'ici. Demain il annonce beau. Oh my god, il annonce 21. Ok, c'est sûr que je fais ça. J'essaie de me lever pas trop tard. Puis demain on va aller à Montréal ensemble. Ok. Donc ben, on se voit demain. Bye!